Hello, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau live donc sur YouTube et sur Twitch simultanément. Oh là, salut Animir. Je te souhaite la bienvenue sur mon live. Bienvenue sur la chaîne, ça me fait plaisir. T'inquiète pas, hein, je passerai. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Honnêtement, ça me fait plaisir. Merci à toi Animir28. Bienvenue à toi encore sur la chaîne. Donc, du coup, on se retrouve sur Corse RP, donc serveur RP sur GTA 5. Et donc du coup où je fais donc le métier concessionnaire. Donc Tommy Lucchesi, hop là, attendez, il y a un petit souci là. Hop, vite. Oh, coco, voilà. Hop là. Pardonnez-moi, tac 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 tac, vite, accessoire, faut qu'il m'enlève cette merde là. Je sais pas pourquoi il m'a mis ça. Voilà. Bon. Ça. Oh, ça commence bien, dis donc. Allez, c'est parti, on va mettre les lunettes, on va sortir un véhicule, on va se rendre en concession. Et on va ouvrir la boutique. On va sortir notre. Alors je sais pas si. J'espère qu'il est pas en fourrière. Sortir le camion. Voilà, Corsa Motors, hein. Donc, véhicule ciblé du logo de l'entreprise. Regardez si. Attends, il fonctionnait. Ah, il fonctionne sur le camion. S'il y en a qui fonctionnent. Enfin, il fonctionne, il fonctionnait du moins, mais là il fonctionne plus. C'est bizarre. Hop. J'ai entendu dire qu'il y avait des clients qui me cherchaient. Alors pour le rentrer celui-ci. Hop là. Toc toc, voilà. Voilà, nickel. Regardez ce camion, franchement, ouais, j'en suis fier parce qu'il est beau, quoi. Bon, il est simple, hein, on va pas se mentir. Il y a juste des trois logos dessus, une peinture grise unique. Mais voilà, quoi. Il est magnifique, franchement, je le trouve trop classe ce pick-up. Donc, allez, on va ouvrir la boutique. Mettre un petit message sur le Twitter. Hop, voilà. Commencer la journée, je vais boire quand même. Dans le bureau, hop, dans mon bureau. Pas de machine par contre pour les barres de céréales, etc. Donc tant pis. Hop. Voilà de quoi commencer. Nickel. Ah, il est pas mal, hein. Franchement, ouais, je suis content. Il est ultra simple en vrai, mais la peinture, t'es, le gris comme ça, déjà, il sort super bien. Puis voilà, ouais, les petits trois petits logos, là, ça, c'est propre, quoi. Vraiment. C'est juste dommage l'antenne quoi. Je vais faire un petit point vite fait sur le stock. Qu'est-ce qu'on a en vente? Qu'on essaye de vendre, d'écouler un peu le stock. Propose aux clients ce qu'on a en stock. Déjà, ça serait cool. Ça évite de faire
de la sortie. Au niveau des fonds, donc on a la Mustang, Cobra, le Can-Am, le Ford Rat, ça c'est le, ouais, c'est le Hot Rod, FX50S, celui-ci par contre, je m'en rappelle plus ce que c'est comme véhicule. Le Kangoo, ça c'est les motos, donc les KTM 450, il y en a deux. Donc ça, faut qu'on essaye de les écouler. La M590, ok. Donc ça, c'est la M5, c'est la M5 tout simplement. La M6, la MA3, ça c'est la Mazda Speed 3. Mégane RS, ouais, faut qu'on la dégage celle-ci. Panigale, ok. Ça, faut qu'on vende aussi. La Punto, R6, la Rampage, c'est une Dodge. La 4L, bah, ça va être dur de la vendre celle-ci. La SLS, celle-ci, on l'a sur les bras aussi. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse une promotion sur cette voiture parce que j'en ai marre d'avoir dans mon stock. Le Spirit, le Spitro, donc ça, c'est des boosters. Et l'autre, c'est bah, le Spitro, enfin bref. Et la YZF en 450. Ok, on en a deux. Donc on a deux YZF en 250. Et deux YZF, non, deux KTM SM. Et celle-ci, ouais, normalement, c'est la YZF, c'est les 250, celle-ci, je crois. Je crois. Hein. Ou la 450, je sais plus. Voilà, faut qu'on vende tout ça. Alors des fois hein, c'est calme, mais des fois c'est comment dire, blindé de monde ici. Bon après hein, si pas de clients, c'est simple, hein, fermer boutique et on va aller faire autre chose. Hein. Essayer. On va voir si ça apporte du monde. Fait que les 4x4, je devrais en mettre un, le mettre devant là, comme Jason May. C'est classe aussi quand il est là. D'appeler Allô? Ouais, Tommy, ça va ou quoi?
Bien, vous, monsieur le colonel. Ça va, ça va. Si vous voulez venir au commissariat, y a un afflux de gilets jaunes devant. Ah bah très bien, j'arrive. D'ailleurs, je dois vous voir en plus. À tout de suite. J'arrive. Bon, on va aller voir les gilets jaunes. Allez, fuck les feux rouges, hein. Hop là! Oh non, Fais-moi monsieur le malin! Colonel, détachez-moi, s'il vous plaît, j'ai rien fait de mal, j'ai rigolé avec Mais mon non, collègue. vous êtes bien comme ça, non? Vous J'ai trouvez demandé pas? à monsieur Lucchesi Attends, s'il trouve ça normal. on va dire pile ou Ah face. bonjour, bonjour, Monsieur bonjour. Lucchesi, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Bah écoutez, ça va, ça va. Alors qu'est-ce que vous pensez? Il y a le monsieur qui embête un de mes agents. Le monsieur D'accord, menotté là. oui. C'est vous qui avez sa vie en jeu. D'accord. On les met au trajet agent ou pas? Est-ce qu'on lui met. En sachant qu'il a demandé plusieurs fois comment il s'appelait à mon agent, et qu'il lui a répondu correctement, et qu'il, comme il a son nom qui s'appelle comment? Et du coup, Comment? il a pas arrêté de lui dire vous vous appelez comment, vous vous appelez comment, vous vous appelez comment. Ah, c'est. Vous Pardonnez-moi. faites un peu outrage à l'agent. C'est. Comment C'est s'appelle qui ce rigole monsieur? là? C'est monsieur comment? C'est bien ça? Tout à fait. D'accord, très bien. Donc on est d'accord que c'est outrage à l'agent. Mais pardonnez-moi, moi je n'ai pas compris son nom de famille. Vous le faites exprès, monsieur Lucchesi. Vous êtes Vous monsieur voulez finir comment? de la même façon? Vous voyez, je suis pas le seul, vous voyez? Ah moi bon, j'ai pas très bien compris non plus, je dois Double l'avouer. outrage à agent, putain, ça va faire un Oh. paquet d'argent Ah ça. non, moi je n'ai pas fait Ça d'outrage, s'écrit comment? monsieur comment? Comme le mot comment d'ailleurs. Ouais, ça s'écrit comment d'ailleurs, comment? Et là votre agent, vous la menottez pas votre C-O-E-N-T. agent là? Hein? Ah bah non, elle est fic. Ah. C-O-2-M-E-N-T. Il y a des VIP ici, hein? Mais non, je vous inquiétez pas. Ah! Oula, Doucement quand pense. même, doucement, doucement, Oh, il a Mais... sauté quoi? Avec le petit doigt. Franchement, Oh, vous le... comme l'avez une soulevé, coupe. mais d'une puissance. Oh, le colonel, il rigole pas, hein. Il Il a de la force, démenote, ce il colonel. soulève, il te monte en l'air. Il t'a pris par le tibia là. T'as rien compris. Ah bon, 27, 27, venez avec moi, on y va. On va où? Bon. Lucchesi, on va à votre concession. Pourquoi on va Bon, où? là, Zaro, On va acheter ça une va ou pas? voiture. Ouais, ça va, ça Ah. va. Ouais, vous voulez pas m'emmener là? Ah, si. Vous voyez pas que vous avez une belle voiture? Je prends mon véhicule. Vas-y, je te suis. Allez hop, c'est moi qui conduis. Non, c'est ma voiture. Ouais, un endroit. Allez hop. Ah bah. Non. Non, mais. Allez hop. Ouais. C'est moi qui conduis. Ouais, vas-y. C'est pas cool. Bah, je suis gentil, je vous conduis. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'ils veulent comme voiture? J'espère que c'est une voiture bien chère. Hein. Il a les moyens, le colonel. Vous avez vu, j'ai donné mon véhicule à Lucchesi. Quel est le véhicule? Bah, j'ai donné ça là, à la demoiselle. Ah, vous avez donné votre véhicule, vous êtes généreux, colonel. Ah, Ouais, bah, c'est faut gentil bien de sa que. part. Je me demande pourquoi. Hein. Eh. Faut bien que mes agents
Moi ça oui, bien véhiculé. Bien sûr. Oui, moi bien je sûr. Veux rien dire, mais j'ai si vous l'impression pouvez me donner que votre sportif bleu, je dirais pas non, monsieur. Que la gendarmerie roule en voiture de gangster. Hein. Je dis ça, mais je dis ça en voiture de gangster. généralement, c'est une voiture de gangster, ça non? Mais non, pas du parce tout. Parce que moi, pas je suis trop gang en fait. Ah, bah exactement, ouais, madame. Alors, du coup, j'achète toute la concession. Ah, bah alors, sortez les bifetons. Il y en a pour combien? Ah, il y en a pour combien? Cher. Je sais pas, je n'ai pas calculé, mais il y en a pour. Ça va vous coûter cher, hein, dites-moi. Si je pose une somme de 15 millions ouais, sur le bureau. Ce n'est pas suffisant, 15 millions, malheureusement. Ah, mince alors. Ah non, je vais acheter le même 4x4 que vous. Ah, le même 4x4 que moi, d'accord. Ah, je veux le même. D'ailleurs, okay. Il coûte combien ce 4x4 là, là? Alors, 420 000. Ah! Il a 420 000 celui-ci? Ouais, attendez, c'est parce que j'ai négocié avant même d'avoir négocié. Ah non, 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 attendez, je vais vous dire le prix. On est plutôt sur une somme de 580 000, je crois. Exactement, 580 000. Ouais. Donc quand je disais 420, c'est parfait. Ouais. Oh non, 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 je ne la lâche pas à 420 000, ça ce n'est pas possible. Et du coup, est-ce que votre Maserati est suivi? Il est enfin arrivé. Non, 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 la Maserati elle est toujours à Marseille. Ah merde, attendez, je vais regarder ce que vous avez du coup. Eh, 27, vous pensez que je prends quoi comme véhicule? Quoi? Il me faut un 4x4. Un 4x4? Bah après. Ouais, 4x4. Vous avez pas de SQ5? De quoi? SQ5. SQ5? Mais non, il a pas ça. Il a pas ça. Le Q7, bah on va avoir un Q7, mais pareil, il est au port de Marseille actuellement. Ah merde, y a pas d'excuses. Bah... Après, si vous voulez chercher un 4x4, le meilleur 4x4 que je peux vous proposer, c'est celui-ci, hein, sans doute. Le mais... celui-là, là, le G65. Non, non, le Titan devant là. Le Titan, le Nissan, le Titan. Après, celui-ci, ah bah, le G65, mais si vous êtes. Dites-moi ce que vous pensez du Titan devant, ma tête, on va voir. Titan? C'est lequel? C'est celui qui est devant là, avec la grosse antenne, on dirait une voiture téléguidée là. Ah. Celui-là là. Une voiture téléguidée, j'avoue, ouais. J'avoue que l'antenne est assez grande pour faire voiture téléguidée. Vous en téléguidée. Pensez quoi vous, 27? Bah il est bien, mais... Est-ce qu'il y a la place pour le mettre dans le parking? Ça on dirait un monster truck en fait. Alors je vais vous dire. Ah bah au moins on me verra bien. Ce véhicule 6 places. Ouais, on vous voit déjà de loin monsieur. Donc ce véhicule peut transporter 6 personnes. Et c'est surtout après le moteur qui est efficace. C'est un véhicule qui monte à 420 km/h d'origine. Ah bah j'achète. Allez hop. Et pareil, donc moi, on peut le customiser celui-ci, voilà, hein, celui-ci, les phares, les pare-chocs, le pot d'échappement. Je sais que au garage de la ville, ils peuvent faire des petites modifications dessus. Hein. D'accord, très bien, merci beaucoup. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, 27? Hein? Vous en pensez quoi, vous, 27? Du quoi, de ça, là? Ouais, du 4x4 là. Bah en vrai il est mastoc, ouais ça va, hein. Il est bien. Eh bah j'achète, allez hop c'est parti, 27 à la DV, on achète, allez hop. Oh ok. C'était qui sinon? Eh, colonel. Ouais. C'était qui sur la radio? Monsieur le juge. Ah. Donc je vous sors votre modèle. Alors sachez que ce modèle, il existe plusieurs couleurs, donc ne soyez pas surpris. Si vous, je vous ferai peut-être un rabais sur la peinture s'il sort avec la peinture de la concession. Mais donc il existe en coloris noir, rouge, orange. Il n'y a pas une couleur un peu vert kaki là? Ça irait bien au colonel. Non. Tu fous de ma gueule lui. Elle a été supprimée. Donc du coup, le VR Kaki, nous avons renvoyé au fournisseur et du coup on a recommandé les modèles déjà avec le vinyle dessus. Et d'accord, blanc, marron, on est d'accord, 480 000. Non, non, 580 000 et celui-ci, il n'y aura pas de négociation marron, possible. Beau. Comment ça, il n'y aura pas de négociation possible? Je suis au quatrième véhicule que j'achète chez vous, monsieur Luigi. Très bien, écoutez, ce véhicule, monsieur, il va avoir une tarification revue à la hausse, vu ses performances. Du coup, 580 000, c'est un prix correct.
Parce que sachez, monsieur Lucchesi. Allez, suivez-moi. Venez, on va discuter dans le bureau. Venez, on va discuter dans le bureau. Bonjour. Hop, voilà, voilà. On va discuter ici. Je sais qu'il n'y a que ici qu'on peut négocier. Alors, suivez-moi. Dites-moi. 480. À 480, ça sera pas possible. Mon meilleur prix, à la rigueur, si je peux vous faire un petit tarif, 560 000 maximum. 550. 560. 555. Je n'irai pas en dessous. 560 000. 557. Allez, on coupe la part en deux. Ça fait 559. 558-500. Allez, 558-500. On... c'est parti, allez. C'est bandé. Allez, marché conclu. Donc je vous on est d'accord, vous prenez monnaie. La carte bancaire. Hein. Exactement. C'est le... c'est Jason ou Cardi sur le live? Nissan. Il est mon 4x4. Alors suivez-moi. Ah bah il est sorti avec la couleur de la bordel. Par contre j'ai pas le, j'ai pas l'antenne parabolique comme vous. Vous avez de la chance vous. Donc du coup je vais vous faire un petit rabais pour la peinture. Non mais c'est bon, j'aime bien cette couleur moi de toute façon. Ah non bah, vous voulez rouler aux couleurs de la Corsa Motors? Allez c'est parti, soyons fous. Il n'existe pas avec le truc gendarmerie dessus. Non mais ça, ça peut être possible. Il suffit... D'ailleurs, je n'ai pas reçu mon 4x4 dans la gendarmerie. Bah, il suffit juste de le commander au fournisseur le vinyle de la gendarmerie, ça peut se faire. Hein. Alors attendez, je vais vous faire votre petite facture. Ah, faites la facture et ne me racontez pas votre blabla, hein, parce que c'est bon, on le connaît par cœur votre blabla. J'ai pas reçu de facture. Ah, bah j'ai reçu la facture. Ah, aïe voilà. Ça fait un trou dans le budget. Merci beaucoup, je vous donne vos clés. Alors attendez, je vais chercher donc la carte grise. La carte grise, elle est dans le classeur ici. Voilà. Alors, la carte grise. Hop, parfait, merci. Donc voilà. Bah, écoutez, bonne journée, monsieur Lucchesi. Bah, ça fait plaisir, je vais venir vous voir. Je la connais, votre table. Dites-moi, monsieur le colonel. Avez-vous reçu oui. Le médecin, oui. Le rapport du médecin, donc je peux venir vous voir pour les oui, papiers. Oui, oui, mais c'est 25 000 dollars chez nous. 25 000, attendez, venez avec moi dans mon bureau. Ça se négocie pas, ça. Alors, moi je vous propose 10 000. Négatif, ça ne se négocie pas, ceci, monsieur le Chesi. 10 000 euros, et c'est très bien. Allez, on coupe la barre en deux. 17 000 euros. 23 000. Ah non, 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 je vous ai fait un beau geste sur le véhicule, vous pouvez me faire un bon, beau geste. Bon, allez, 20 000, le c'est parti. Ah, un petit peu moins, 15 000. Allez, et je passe dessus. Allez, 15 000. Mais vous savez que si jamais vous le ratez, vous payez quand même, et il faudra le repasser et repayer. Ah, d'accord, qu'est-ce qu'il va falloir refaire sur le PPA? Il va falloir retirer? Non, si y a plein de choses. Il y a les technologies. Ah, d'accord, oui. Et après, il y a le tir. Il y a le tir, d'accord. Et il faut que je fasse pan-pan, c'est ça ou Oh putain, je sens que vous allez le rater. Oh, je sens que vous allez le rater. Ah bon, ouais, je vais partir avec mon véhicule. Bon, bah allez, ça marche pour 15 000. Tour dans l'armoire. Bon, bah voilà, tu vois, Cardi. Je voulais vivre plus vendu. Il est derrière. Hein. Ouais. Il y a encore une belle prime, là. Donc voilà. Allez, je vous ouvre la porte. Roulez, colonel. Non. Ah pardon, mais ça a freiné d'un coup, ça a pilé devant. Ça a pilé. 27. Mais...
Allez, bonne journée, hein. Bonne journée. Au revoir. Bonjour monsieur. Monsieur le juge. Bonjour monsieur le juge. Comment allez-vous? Bah écoutez, très bien. Excusez-moi pour mon accoutrement, j'ai pas pris le temps de. Ah mais vous êtes en repos, hein, vous faites ce que vous Exactement, voulez. Exactement, je viens ici en loisir un petit peu. Exactement. Enfin en loisir, en semi-loisir. Oui. J'aimerais une voiture de fonction. Une voiture de fonction. Une voiture qui représente un petit peu d'élégance. Et dites-moi monsieur, c'est juste pour le côté administratif, avez-vous une société en ville? Pas du tout. D'accord, donc du coup c'est un achat personnel. Enfin, exactement. Voilà, c'est pas un achat sur le compte de la société. Hein, c'est ce que exactement, je voulais... oui, c'est d'accord. Un achat personnel. J'investis dans une voiture qui me permettra de me représenter de façon assez bien. Très bien, alors attendez, je vais répondre au téléphone, je m'excuse. Faites. Oui, allô? J'ai un problème, le 4x4 là il veut pas se fermer. Ah, il faut que tu le ramènes dans ton garage. Hein. Ah, d'accord, oui, c'est vrai. Ouais, et n'oublie pas. Ah, oh, le con, il m'a oublié, il m'a raccroché au nez. Pardon, excusez-moi, monsieur le juge. Pas de soucis, vous inquiétez pas. Alors, vous recherchez quel type de véhicule, monsieur le juge? Luxe, grand luxe, rien de sportif. Pas grand... du tout de sportif dessus. Alors, grand luxe, type Bentley, Rolls Royce, des choses comme ça ou. Rolls Royce. Rolls Royce, vous voulez que je vous sorte le modèle? Allez-y, oui. Alors, ça ne vous gêne pas? Ah non, du tout. Hop là, suivez-moi. Hop, pardon, la porte elle a glissé, excusez-moi. Pas de soucis, vous inquiétez pas, c'est moi. Je sais pas ce que la femme du ménage met comme produit, mais des fois, c'est assez... Ouais, glifié, ça glisse un peu. Oui, exactement. Alors, elle coûtera combien, cette Rolls Royce? Alors, la Rolls Royce, je vais vous dire le prix avant de la sortir, bien sûr. Alors, Rolls... Rolls, 457 800. Donc ce modèle, monsieur le juge, est à 457 800 €. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans le même style? Parce que je vais pas vous faire sortir une voiture qui potentiellement... Alors dans le même style, en fait, j'ai que... On va dire que si vous voulez rester dans la même gamme et dans le même style, j'ai que deux véhicules, j'ai le Rolls Royce et le Bentley. Et le Bentley, il est à... D'accord, alors, ok. Je vais vous dire le tarif, je crois qu'il est un petit peu moins cher. Et la BMW M6, vous la vendez à combien? La M6... Alors le M6 est à 345 800 €. Très bien. Excusez-moi, je vous pose d'autres questions, mais est-ce que vous avez des 4x4 style SUV? Alors des 4x4 style SUV, nous avons, oui. Nous avons le Porsche Cayenne, nous avons l'Alfa Romeo Stelvio, nous avons le BMW X6, nous avons... qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons un petit peu SUV, le Mercedes G65 AMG, nous avons le Brabus, nous avons... qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons un Ford, il me semble. Est-ce que vous avez un petit peu quelque chose de rectangulaire qui fasse un petit peu, vous savez Alors rectangulaire type que Cadillac, je suppose. Ah ouais, exactement, ouais. Non, à part le Mercedes Brabus, mais bon, ça fait plus gangster. Ouais. Très bien. Sortez la Cadillac. Je vais vous sortir la Cadillac. Cadillac. Merde. Hop. Je vous sors de suite. Hein. Oui, allez-y. Excusez-moi, vous m'avez parlé de Cadillac. Hein.
Oui, non, c'était une Rolls Royce, pardon. Ah oui, parce que j'allais vous dire la Cadillac, je n'en ai pas actuellement en concession. Oui, donc le Rolls Royce, d'accord. Ouais. C'est le saisi. Je vois, vous voulez vous bouger, mais je ne vous entends oui, pas. J'avais un petit problème avec mon logiciel. Pardonnez-moi. Alors, d'accord, attendez, pas de soucis, vous inquiétez pas. Je vais ressortir donc le modèle. Donc, c'est fantôme, me semble, celui-ci. Ok, je le vois pas. Et l'argent s'est prélevé, mais je vois pas le. Le véhicule était à 133 000, 100. Il y a un problème, ça m'a prélevé l'argent, mais ça m'a pas sorti la voiture. Alors attendez, hein, je vais regarder, est-ce que j'ai un souci? Allez-y. Je ne vois pas le véhicule. Je l'ai sorti. Et... Vas-y, ça pète les couilles là. Normalement, c'est écrit fantôme. Parce que là, si je le rachète, ça fait perdre de la thune quoi. Ah, j'ai pas le choix. Fait chier, je sais pas ce qui s'est passé. Hop, faudra faire une note de frais. Remboursement du gouvernement. Voilà. Donc elle a 170 000. Hop. Donc sortir. Ah, elle est là. RP fantôme. Voilà, problème corrigé. Donc suivez-moi, on va aller voir le véhicule. Il y a une demoiselle qui arrive, je crois. Hop là. Oh non. Ok. Donc voici le modèle. Donc la peinture, okay, hein, vous pouvez la modifier. J'espère qu'il y a quelqu'un au garage, hein, parce que ça va pas du tout là. Effectivement, mais je pense qu'il y a quelqu'un. Hein. J'ai vu la. Bah enfin, j'ai croisé le mécano tout à l'heure, donc du coup, je pense qu'il pourra vous faire ça. Hein. Ok, d'accord. Parce que l'intérieur est magnifique. Hein. Exactement. La voiture elle-même est magnifique, mais la couleur est vraiment terriblement moche. Mais bien sûr, je comprends la peinture. Par contre, voilà, c'est parfaitement ce que je cherchais. D'accord. Donc si elle vous convient, on peut aller effectuer. Donc on va aller effectuer déjà un essai, monsieur le juge. Eh ben écoutez, c'est parti. Hein. Je vous ouvre la porte et je monte avec vous. Eh ben écoutez. Donc c'est 100... Combien j'ai dit 133. 133 000 qu'il faut que je fasse remboursement une fois. Allez-y, allez-y, entrez. Ah, excusez-moi, monsieur le juge, je vais vous demander s'il est allez-y. Possible que vous ressortiez du véhicule et que vous remontiez. J'ai un peu. Merci beaucoup. Allez-y, hein, remontez. Oui, oui. Par contre, manœuvre. Ah oui, bah oui, pour sortir. Est-ce que vous voulez que je vous la sorte? Non, non, vous inquiétez pas. Oula, avec ma Mercedes, j'ai l'habitude. D'accord. Je crois qu'il faut que je frotte un petit peu le... Non ? Normalement, faut chatouiller le petit... mais vous inquiétez pas, ouais, je vais vous ouvrir la porte. Et je vais allez-y, entrez. Voilà. Ok, c'est bon, ça passe. Ouh.
Eh ben, c'est pas simple. C'est parti. Allez-y. Ah, idéalement, en termes de puissance, c'est vraiment ce que je cherche. Ça doit avoir des avantages, monsieur le juge, d'être juge de la ville. Je pense que si vous faites arrêter, vous n'avez pas de contravention, non? Non, non. Enfin, après, ça dépend aussi. Je pense que, enfin, comme tout citoyen, si je me fais arrêter et que je suis en tort, évidemment que si, je n'ai plus de contravention. D'accord. Ça vous dérangerait de passer devant le commissariat, histoire que je leur fasse un petit doigt? En leur disant, fuck, je suis avec le juge. Monsieur Lucchesi, vraiment, c'est un petit peu ce qu'on demande. Non, mais c'était une boutade, monsieur Lucchesi. Je peux pas du tout me permettre de faire ça. Ah, mais bien sûr que j'ai conscience, c'était une plaisanterie. Voyez-vous. Ah, d'accord. Oui. Mais c'est vrai que ça pourrait être marrant. Si un jour ça vous dit, n'hésitez pas à venir me ça chercher. Ça pourrait être. Ouais, mais vous savez, vraiment, non. Je pense pas que ce genre d'activité. Ça marche, regardez, merci. Au colonel. Même s'il reste un colonel, il peut me faire des problèmes. Exactement. Ah, c'est une belle voiture en tout cas. Hein. Vous faites un bon choix, oui, monsieur, oui, le juge. Hein. Très agréable. Hein. Allez, n'hésitez pas, hein, à appuyer sur le champignon. Hein. Faut pas me le dire deux fois, ça. Ah, c'est pas bien ce que je suis en train de faire. Alors que dans... Qu'en dites-vous? Vraiment très sympa. Vraiment très sympa. Il faut que je vois, hein, il va falloir que j'appelle des gens qui travaillent dans le BTP, hein, pour agrandir cette porte. Parce que quand même, pour des véhicules de ce type, les gabarits, c'est difficile. Hein. Vous pouvez les laisser là, monsieur le juge. C'est pas pratique, hein, oui, effectivement. Ok, très bien, je vous laisserai me la ressortir. Très bien, il n'y a pas de souci. Alors qu'en dites-vous, monsieur le juge, vous êtes partant pour ce véhicule? Signons. Et ben alors, c'est parti. On va aller faire les papiers. Dites-moi, monsieur le juge, vous avez un véhicule en location chez nous, non? Non, pas du tout. Allô? Ouais, Tommy? Oui. Dis-moi, t'as un maillot de bain? Sur moi, non, je n'ai pas de maillot de bain. Bah, viens en caleçon, vas-y, je t'envoie une coordonnée. Viens avec ton 4x4 par contre, parce que sinon tu vas pas pouvoir venir. D'accord, mais je viens plus tard, parce que là je suis avec un client et je viens après. Bah, tu dis au client d'aller se faire foutre. Ah, bah, le client c'est monsieur le juge, vous lui direz lui-même, vous-même. Lui-même, ça, vous le direz lui-même au juge, cassé un trou du cul. D'accord. Bah, allez, à plus. Au revoir. Ça va, les coordonnées. Ça marche. Bon, désolé, monsieur le juge. Dites-moi, qui était cette personne au téléphone? Ah, c'était monsieur le colonel. Monsieur Lucchesi. Très bien. Vous avez pas entendu ce qu'il a dit quand même au téléphone aussi? Je crois que si, hein, monsieur Lucchesi. D'accord. Bon, bah ça, vous verrez avec lui. Moi, je suis pour rien. Hein. Oui, il m'a demandé un maillot de bain, j'ai ne pas vous inquiétez compris. Pas, signons les papiers, monsieur Lucchesi. Très bien, alors attendez. Rapidement. Hop, je me dépêche. Vous entretenez quel genre de lien avec monsieur le colonel? Oh là, juste du relationnel, le clientèle, si vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Voilà, hein, c'est une personne qui m'achète des véhicules. Et bon, après, c'est quelqu'un qui me paraît assez sympathique quand même par rapport. Voilà, mais c'est tout. Après, j'ai pas plus. Il vous a dit quoi quand vous avez dit que c'était monsieur le juge en face de vous?
Il m'a dit, j'en ai rien à fiche, vous voyez ce que je veux dire? Très bien, très bien, très bien. Donc, attendez, je vais vous faire l'acte de Je vente, voulais donc être du coup, sûr. pour le Rolls-Royce, donc c'est le modèle fantôme, hein. Donc, on est sur un modèle qui est à 457 800 euros. Donc, voilà, et je vous demanderai donc une petite signature. Alors, attendez, je vais... Merci beaucoup pour votre chèque. Je vais prendre donc la carte. Alors, carte grise, elle est en bas. Là, ici, très bien. Donc, voici donc la carte grise. Je vous la pose donc sur le bureau. Merci. Je vous demanderai donc une signature donc pour l'assurance, pour la carte grise et le récépissé donc de la facture. Donc sachez que ce Oui. véhicule est assuré par notre garage sous une quinzaine de jours et vous recevrez donc votre carte grise définitive à votre domicile. Donc voilà. Très Et bien. donc je vais donc aller chercher les clés. Donc Merci. voilà. Alors. Hop, et mettez la facture bien rangée soigneusement, très bien. Et ben voilà, monsieur le juge, Juste avant de dites-moi. partir, ce que j'ai entendu au téléphone reste bien évidemment entre nous. Ah oui, mais bien Et que sûr. je l'ai entendu reste entre nous. Bien sûr. D'accord? Donc vous n'avez pas intérêt à dire à monsieur le colonel que j'ai entendu. Ah non, non, vous ne vous inquiétez D'accord? pas, moi je suis. Moi tu sais, bouche cousue, comme on dit. Hein. Très bien, parfaitement. C'est. La seule chose que je vais vous demander, c'est de sortir ma voiture. Bien sûr, je Enfin, vous de la mon sors de action. suite. Merci. Allez, allez sur le parking de devant, monsieur le juge, je vous la sors et je vous l'amène. Elle est dégueulasse la peinture de la Rolls, putain. C'est bon, vous cassez pas plus la tête, hein, monsieur Boucher. Voilà pour vous, monsieur le juge. Je vous souhaite une Merci bonne à vous. journée et puis je vous dis à À vous bientôt. aussi. À bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, en l'espace de... Allez, une demi-heure, j'ai vendu un véhicule de 580 000, quoi, 560 000, et un autre de 400 000 euros. Je suis content, une bonne journée. Et bien sûr, j'ai un manque de 162 000 euros, 170 000 euros. Donc ça va faire que... Et du coup, mon Mercedes, il est où? Elle est devant là-bas. Alors, de quel maillot de bain il me demande? Bah oui, c'est vrai. Alors, le GPS. C'est qui s'est perdu.
Oh, qui c'est qu'il y a le colonel? Ouais Tommy, dites-moi monsieur le colonel, je suis au point de rendez-vous mais il n'y a personne, à part une voiture en panne, il n'y a personne. Hein. Où ça? Bah, je suis sur l'autoroute vers le nord. Mais je vous ai envoyé des points de coordonnées, non? Oui, vers le nord, sur une voiture qui abîme, une Alfa Romeo. Ah non, négatif, c'est pas ça. Dites-moi, alors il faut aller où? Je vous envoie ça. Très bien. Alors merde, c'est un tout terrain que j'ai, hein. Il m'a renvoyé les mêmes coordonnées. C'est quoi? Attends. Bon, apparemment, attends, je vais faire un petit peu de fraude. Hop là. Hop là, je sais pas par où passer en fait. C'est où Laura? Tu veux me faire aller? D'accord, ok. Putain quoi, je vais me bloquer la gueule tout seul. On a un 4x4 ou on n'a pas un 4x4 hein? Par où je passe moi? Ça grimpe aux arbres ce truc. Hop là. Allô, Tommy? Oui, je vous écoute. Rejoins-moi au niveau du pont là où il y a les... Là où il y a les... Ah merde, le pont des abatteurs là. Ah ok, alors attendez, parce que là je suis dans... je crois que je me suis foutu dans la merde là. Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis en train d'escalader la falaise. Ah bah vous avez fait comme moi avec mon 4x4 tout à l'heure. Attendez, moi il faut que j'ai juste réglé un problème là et puis j'arrive. Le pont de l'abatteur, Tommy, vous me rejoignez là-bas, j'arrive. D'accord, Tommy? Très bien. A tout de suite. Et je redescends. Hein. Bienvenue à toi, SBKZZ. Bienvenue sur la chaîne. Et puis merci à toi pour ton follow, ça me fait plaisir. Alors, putain, je suis dans la merde, je me pousse en fait. Attends. Allez, l'off-road, c'est cool, mais... Là, c'est un petit peu trop, après. Le pont de l'abatteur, je sais même pas où c'est en vrai. Attends. Je suppose qu'il y a un truc.
réponse de l'abatteur. De quoi il me parle? On va rétoter par là. Tac. On va faire demi-tour. On va essayer de remonter. On va suivre le chemin. Gaz. Qu'il était fou pour se paumer là. Oh non, qu'est-ce que je fais le con là. Voilà. Qu'est-ce qu'il a été foutu ici, le colonel? Ah oui. Ouais, Tommy, t'es où? Ah, je suis sur la montagne. Merde, je vais t'envoyer un point pour que tu puisses nous rejoindre. Après, comme ça, je vous emmène au bon endroit, d'accord? Ouais, ça marche. À toute. Putain. Je sais pas où c'est que... Ah putain, en plus j'ai plus beaucoup d'essence. Et comment je vais redescendre ici moi? Ah, je vais me tuer si je redescends par là. Aïe aïe aïe. Ah, quelle merde je me suis mis là. Bon, maintenant, il va falloir que je descende de là. Ça va être marrant. Alors, attends, c'est où je dois aller? Ah, d'accord, ok. Ouais. On va essayer de redescendre par là. Hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Mais bon, si je me tue, ouais. Là, c'est l'off-road extrême. Ah, je pensais que ça allait être pire que ça en vrai.
Oui. Ouais, Tommy. Oui. T'as reçu mon truc là? Ah ouais, j'ai reçu là, je suis en route. Ok, bah on t'attend alors. Je suis en route, je fais un petit peu de fraude pour descendre de la montagne et c'est bon, j'arrive. Ah, ça y est, je suis sur l'autoroute. Merde, j'ai pas vu que j'avais raccroché. De l'essence quand même. Hop. Oh, ça va durer une plombe 50 litres là. Allez, c'est bon, 50 litres, c'est fini. Ça m'a coûté bonbon encore ça. 6 litres le litre. Et j'ai même pas le plein en plus. Alors, je vais quand même ralentir parce que là, c'est quand même des flics. Oh là là, en plus, c'est pas trop du concesse qui arrive au même moment, oh le bordel! Hello. Ah, c'était des jolies danses! Bonjour! Bonjour! Bon, allez, je vous emmène, allez, c'est parti, on y va! Suivez-moi! Ah là, allez, c'était une galère pour vous rejoindre! Allez, on y va, je vous emmène! Suivez-moi bien! Je mets le GPS? Ouais, non, t'inquiète, je connais la route! Ils vont nous suivre! Ouais, mais je connais la route! Enculé, bah putain, il m'a niqué ma bagnole. Oui. Alors, bande de cons, va. Ils se sont tous donné le mot, ils veulent niquer mon pick-up. Ils sont jaloux. Moi je dis, il faut arrêter de fumer dans la 205 GTI. Hein. Oh là, mais c'est pas vrai, dis donc. Attendez, j'ai perdu quelqu'un. Je crois que vous avez perdu votre camarade. On m'entend. Ah ouais. Bah en fait, j'ai fait une animation sur la moto, ça. Arrête l'animation. F-Sac, arrêtez l'animation, top l'animation là. C'est bon, j'ai stoppé. Ah bah non, pour moi t'as pas stoppé, descends du véhicule. Par contre. Ah, il est là, regardez. Invisible carrément le mec. Vas-y. Tu peux lever les mains comme ça si tu. Ah ouais, il s'est caché derrière la moto, il est revenu quoi. Je sais pas ce qu'il consomme à la gendarme.
n'avance pas un clou ta moto. Merde. Appuie sur le champignon, on revient à chez nous tant que tu fonctionnes. Hein. Ça traîne le cul. Hein. Ah, je vois des bagnoles voler dans tous les sens, je sais pas si ça vient de moi ou pas. On se traîne le cul. Ah putain, je... Ah. Il veut plus avancer. Allez. Ah, je peux pas accélérer. Oh, je suis dans la merde. Putain. Ah, pourquoi ça s'est mis ça? Hop. Ouais, je suis bloqué. Vous vous êtes arrêté au endroit? Ouais, dis-moi. Bah, t'es où? Bah, en fait, tu t'es mis au milieu de, du chemin et du coup, ça m'a fait dévier et je suis bloqué. T'es en vie? Ouais, je suis en vie, oui, mais c'est le véhicule, il refuse d'avancer. Ça y est, il est mais plus. T'as assez... l'équipe de réparation, Santin? Ah non, mais c'est, là, c'est le véhicule, la pente est trop raide pour que je remonte. Ah merde, mais t'es où? T'es tout en bas? Non, je suis pas tout en bas, en fait, revenez où vous m'avez attendu, et je suis en bas, en fait, là, mais descendez pas, hein, alors attendez. Je vais, je sais pas comment je vais faire. Je vois pas. Ah, bah, c'est normal, je suis en bas de la montagne. Alors attendez, attendez, je vais trouver une solution, je vous rejoins, attendez-moi, hein. J'ai pas le choix, hein.
rappeler, hein. On est pas arrivé encore, j'espère que tu vas pouvoir monter dans la 205 là. Non, y'a que deux places. Et t'arrives pas à faire remonter ton 4x4 là? Attends, ah, je vais faire le remonter moi. Il est ouvert ou il est fermé? Il est ouvert le véhicule. Ouais, ça le monte en diagonale. Sinon, si vous avez pas de tournevis, moi j'ai un tournevis dans ma poche, hein. Il est cassé le véhicule, et donc je pense qu'il manque un petit peu de puissance. Et du coup, il a remonté quoi. Ouais. Il a des kits de réparation sur lui. Ouais, moi j'ai des kits sur moi, si jamais. Je les vends pas trop cher. Ah ouais, pour vous, dans toute situation, tu les vends. Pour vous, ça sera grave. Mais laisse-moi finir, s'il vous plaît, monsieur, comment là? C'est comment le nom? Ouais, bah. C'est qui a dit ça? Outrage à Georges, du fond de la monde directe. C'est pas moi. Bon, alors, il est parti là-bas. Ouais, il est parti en courant là-bas, je l'ai vu. Ça vaut? Oui. T'as payé 25 000 $ tout à l'heure. Ah oui. Tu veux trop payer 20 000 $? Non. 25 000 $? Ah, j'ai un pilote! Le PPR qui coûte 25 000 $. Ouais, outrage à agent, 20 000. Vas-y, montez, monsieur Lucchesi, je vais vous emmener parce que je vois que vous n'allez pas conduire votre véhicule. Ah, oh, si, pour le conduire, mais il faut pas se mettre au milieu du chemin, colonel. Ah, vous montez derrière, je suis taxi maintenant. Allez, vous êtes taxi. Allez, vous allez refaire la même chose que moi. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure, voilà. Voilà, voilà. Hop, regardez. Hop là, hop, hop là, hop là. Voilà. Oh, alors, attendez, je vais mettre la ceinture, colonel. Ah, je pense que c'est encore coincé. Bon, attendez, on va décoincer tout ça. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres du tout. Hein. Regarde, hop. Ah, voilà mon véhicule. Quand voilà. Même. Faites attention à mes phares, ça coûte un bras. Hop, hop, hop. Voilà, mais où vous nous emmenez, monsieur le colonel? Parce que là, ok. Je crains quand même pour ma vie un petit peu là. Je sais pas où vous avez décidé de nous emmener faire trompette, mais mais il y avait la plage, c'était beaucoup plus simple. Hein. Vous allez voir où je vais vous emmener faire trompette et vous allez adorer. Bon, après c'est l'occasion de faire une musée avec le 4x4. Oula, oh là le véhicule. C'est ça. Elle m'aurait dit, j'aurais pris une moto. Le mien, il a coulé dans l'eau. Il est parti à la fourrure, le mien. Ah, bah, vous me rassurez pas en me disant ça. Alors, c'est ici qu'on va faire le trempette. Ouais, c'est ici, ouais. Vous faites pas la même boulette, monsieur. Non, cette fois-ci, on le met pas dans l'eau, celle-là. Hop, vêtements. Haut, bas, chaussures, j'enlève tout moi. J'enlève le bas aussi. Voilà. Ah ouais, j'enlève le bas aussi direct. Je mets pas plus s'il vous plaît. Bon, par contre, j'enlève les vêtements, mais je n'enlève pas la cravate, hein, je vous le dis. Gardez-la, ça vous va bien pour elle. Je fumais une petite cigarette avant, histoire de me mettre dans de bonnes conditions. Colonel, c'est pas raisonnable. Je suis pas en service. Ah, mais c'est pas bien. Personne. Mais si, je l'ai posé tout à l'heure. Et dites, ouais. Personne ne peut mettre un petit peu de musique? Ah bah quand vous aurez une voix correcte et que vous parlerez pas de... On pourra mettre quelque chose, ouais. Que se passe-t-il? Drôle, monsieur, hein. Y'a pas de coffre dans les motos. Alors, S5. Vous voulez de la musique, c'est ça? Je vais mettre de la musique. Attendez, est-ce que... Salut, Colt Xido. Bah pour l'instant, moi je suis sur Corsair RP.
Donc je te répondrai pour le moment non, mais pourquoi pas, peut-être un jour, je sais pas. Mais Et merde, le plongeon n'a pas fonctionné. Ah mais pourquoi tu plonges pas en forêt? Alors Tommy, tu sais plus plonger ou quoi? Attendez. Je vais la mettre mieux la musique. Vous entendez la musique là? Oui. Attendez, vous allez l'entendre mieux dans pas longtemps. Accessoires d'oreilles, lunettes, chapeau, casque, masque. Je mets l'enceinte, attendez. Allez-y Tommy, n'hésitez pas à bouger votre corps hein. Voilà, ça dépend. Ça dépend comment le bouger hein. Vous entendez mieux là? Ah ouais, au top. Oh pardon colonel. Excusez-moi. Vous entendez la musique là? Ouais. Ouais. Vous êtes pas trop vite, Takano. Ah, allez-moi cette animation. Tu sais avoir la guitare bizarrement. Vous aimez bien la musique? Ouais. je pourrais... Maintenant j'ai une bouteille dans la main. J'ai oublié son nom. Pas Us. Non, celui qui a fait Je danse sur la salsa. Gambi. Ah, Gambi. Ah, c'est Gambi, ouais. Il y a la blinde d'instruments par terre. Vous voyez, le colonel, il est gentil quand même. Hors service, on apprécie hors service. Hein. Hors service, ouais. Hors service, c'est chaud. Mais hors service, ouais, il est parfait. Mais en service, je vous avoue que... Il fait flipper. Il fait peur. Hein. Bah, au moins, il fait son travail. Ah ouais, ah bah, c'est ça, c'est votre travail. Ah, c'est la pub sur YouTube, ta mère la pute, là. Vous avez pas pris l'abonnement? Ah, non, bah voilà. Trop cher. Bon, je reviens d'ici 5 minutes. Ah, le mec, je mets de la musique, il s'en va. Dis-le si t'aimes pas la musique, connard. Je reviens. Mais ah, c'est marrant, monsieur le colonel, vous êtes tatoué vos grades sur les épaules? Ouais, affirmatif. Ah bon? Je veux voir ça. Ah ouais. Ça, c'est quand j'enlève alors que je suis en tenue, voilà ce que ça fait. Il aime tellement la gendarmerie que même ma poil, il l'a toujours, quoi. Par contre, moi j'aurais mis le 4x4 un peu plus près de la rivière, de l'étang, tu vois, du lac, comme ça on aurait pu faire des beaux plongeons. Ouais, mais quoi. Non, parce que ouais. Ça finit dans l'eau après. Ouais, ah, c'est ça. D'accord. Okay. On a déjà eu l'expérience avec le colonel. Ah, vous avez déjà testé, je crois. Bah, ouais, disons que le 4x4 il a fait chup dans l'eau, quoi. Ah, d'accord. Il a essayé de le ramener, mais il n'y a rien à faire. Vous l'entendez vraiment bien la musique ou pas? Ouais, on l'entend en fond. Ah pardon, je m'appelle Brian, excusez-moi. C'est votre deuxième nom, Tristan, non? Ouais, c'est mon deuxième prénom, ouais. Ah, c'est ça. Il manque plus que les merguez et les saucisses.
Ah, il manque plus qu'à Jean 27 surtout, oui. Ah, Jean 27, elle est pour moi. Non. Eh si. Eh non. Trop tard, elle m'a déjà dit je t'aime par message. Ouais. Vous voulez que je vous prenne un screen? Bah, allez-y. Moi, je vous dis personnellement, l'agent 27, je la connais d'une ancienne île et... Faut faire attention, hein. Mais je suis déjà avec. Ah ouais, ouais mais pas j'ai pas tout. Le temps de niaiser, moi. C'est un mytho. Ah. Parce que moi, c'est une connaissance de longue date, hein, l'agent 27. Vous savez, avant qu'elle vienne sur l'île, je la connaissais, elle est sur une autre île, hein, on s'est rencontrés. Hein. Colonel, sur Monaco, non? Non. Le colonel il ment comme il respire là. Pfff. Alors attends. Ah vous me crachez dessus. Ok attendez on va régler oh là, ça. Oh là. Ça c'est un collègue ça. C'est pas un bon collègue hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vais on va régler cracher, ça. Hein. Pas. T'as été dans l'eau? C'est ça hein. T'as été dans l'eau? Non. Oh ouais. Ça prendrait à me cracher dessus toi. J'ai pas craché. Ça remet les jugements. Fou c'est un mot. Fou c'est un mot. Bon. Moi j'ai tapé une petite tête, j'ai rien. C'est un mot d'une autre langue. Ouais, ouais. C'est vrai ? Ça veut dire un joli tatouage, Calabrese. Ah bah il s'est barré. Ça veut dire un mytho. Toi aussi. Ah là là, moi j'ai soif, putain, bordel de merde. Merci beaucoup, colonel. Y'a personne qui a à boire ici ? Si, moi j'aime, mais pas pour vous. Ah d'accord. D'accord. Ok, très bien. Je me souviendrai de votre prime demain. Ah non, c'est une blague. Je vous donne des protéines, moi. C'est une blague, monsieur. Venez là, colonel, venez là. Vous êtes là. Ah, vous êtes là. Je vous ai donné des... J'ai pas d'alcool. Ah, vous voulez de l'alcool? Tenez, je vous donne de l'alcool. Oui, de l'alcool. C'est quoi cette pub de merde là? Ta gueule! Tenez, colonel, faites-vous plaisir. Merci. Hop là, j'arrive. C'est quoi cette musique de merde aussi là? Attention, parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Qui a une balle pour faire du baseball? J'ai une batte. Ouais, j'ai une balle moi. J'ai une balle. Je la sors de mon caleçon. T'as beaucoup de choses dans ton caleçon, toi. Ah ouais, d'accord, attendez. Mais il est où? Il est passé où, 7? Ah, mais là-bas. 17. Ah bah non, l'alcool. Du coup, je l'ai plus, en fait, je l'ai plus. C'est où l'alcool? Ah, c'est là. J'allais en racheter, c'est là qu'on boit. Wow, wow. Faites gaffe. Wow. Gustavo, t'as une balle. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Oh, bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe? T'as une balle, Gustavo, ou pas? Une? Ouais, une balle. Non. Ça sert à rien, Gustavo, putain. Ah, je suis désolé, hein. T'as ramené un ballon là. Attention, je peux bien viser là. Alors là, je vais bien viser là. J'ai l'impression que vous êtes dans l'avion pour venir sur l'île Corse. Ah, touché. Si bon. Hop, touché. Raté. Hop, je suis ivre. Hop là. Oh, aïe. Oh, il est mort! 12! Oh là 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 là, attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas! On se détend, monsieur! Attendez, 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 bougez pas! J'ai tout ce qu'il faut sur moi, vous inquiétez pas! Ça va mieux, Lucchesi? Ah, ben voilà, excusez-moi! J'étais Lucchesi. Vraiment pas voulu! Saute ta moustique et... Calabrese. Monsieur Lucchesi, il est où? Ça va, Lucchesi? Qu'est-ce que vous avez vu, monsieur le colonel? Dites-moi. J'ai bu de la vodka, moi. Oh, attendez, je vais tester un truc. Excusez-moi, chef. C'est qui, chef, ici? Ouais, je croyais que ça allait électrifier l'eau, c'est nul. Voilà, Tommy va pas bien là. Détends-toi. Ça va, Tommy? Ça va, je me demande si je dois buter quelqu'un ou pas. Non, je ne pense pas, je ne pense pas. D'accord, je me calme.
Attendez, je vais piquer un peu. Y'a que ça devrait, un petit plongeon, on se calme. On va pas se foutre de la merde pour un mec qui m'a... Enfin, ça se regardera peut-être plus tard. Hein. Ah non, c'est bon. Monsieur Gustavo, vous êtes vraiment chaud, hein. Vous trouvez pas que je suis un peu blanc bec pour un Gustavo quand même? Un petit peu aussi. Faudrait peut-être faire des UV ou bronzer quoi, parce que. Ah bah là, je crois que. Là, je vous avoue que. Plus vous êtes malade que autre chose quoi. Une musique. T'es, ça arrive, attends, y'a la pub là. Y'a, je bois pas pour la peine. Ah c'est bon, y'a la musique là, vous entendez la musique là? Ok oui, je l'entends très bien. Eh bah c'était la pub, tiens c'est encore la pub. Bon je m'assois sur votre 4x4 hein, je me permets. Hop pas la musique. Alors là, la petite danse que je vous fais, elle passe bien. Mais non, Gustavo, arrête, Gustavo. Vous aimez bien. Mais non, on aime pas ça. Gars, je me retourne même carrément. Tu mériterais un coup de matraque pour ça. Ah non, il faut éviter là, parce que là, je suis déjà... Tommy, mettez-lui une batte dans le cul, s'il vous plaît. Voilà, j'ai pas de batte, moi. Ah. J'ai une batte, moi. Eh oui, c'est quelqu'un d'honnête. Voilà, oui. Ah, parce qu'on est une batte qu'on n'est pas honnête, hein. Je suis quelqu'un d'honnête, oui. Ça, c'est une certitude. J'en suis pas sûr aussi sûr que vous, moi, Luthierry. Vous croyez, colonel? Ah, j'en suis même sûr, même. Hey, Gustavo. Ouais. T'as vu ce que j'ai dans les mains? Pas moi. Non, j'en parle. Boire une bière avec le colonel au bord d'un lac, jamais je l'aurais cru. Oh la guitare! Ça va Gustavo? Ah je l'ai pris sur le coin de la gueule mais ça va. Ah non, j'ai la tête solide hein. Oh là là, oh là. Mais vous cachez ça où là? Eh ben... Tout ça dans le canapé ou quoi? Ah ça sort du véhicule de combo. Oh là là. Ah là, il y a un orchestre, hein. Il y a plus qu'un orchestre. Il y a la symphonie de Beethoven, là, tu peux tout faire. Ça va, là, Chizzy? Ah, ça va très bien, ouais. Ah, vous êtes pas très bavard, hein, quand même. Hein. Il est pas bavard, monsieur Chizzy. Ah ouais, il a la cravate, alors il veut faire sérieux. Exactement. Lâchez-vous, monsieur, lâchez-vous! Vas-y, faites un saut dans l'eau! Voilà, toutes les guitares et les tam-tams.
ça va aller. Il va falloir appeler les pompiers. Oh là. Oh là, que si vous avez, monsieur. Oh, Colonel. Il est défoncé. Et je me suis cassé la cheville, je pense. Ou peut-être le genou, j'en sais rien, mais j'ai très mal. Attendez, j'appelle les pompiers. Vous croyez qu'ils vont arriver à venir jusqu'ici? Ah. Il y a une patrouille de pompiers en motocross parce que pour venir ici, je pense qu'en fourgon, ça va être dur, quoi. Ah, je pense que ça va être difficile, oui. Mais bon, c'est leur métier. Il faut l'hélicoptère obligé, là. Là, hélicoptère, indirect. Hein. J'avoue, j'aimerais bien un peu de soin aussi, là, parce que... Faut déjà que les docks répondent, mais hein. À mon avis, il doit y avoir un microbe dans l'eau parce que tout le monde s'écroule, là. Non, mais moi, je me suis cassé le genou, je pense. Ah. Ah, sinon je vous monte derrière mon fourgon, hein. Oh là. Wow. Eh ben Enzo, t'as bu trop de bière je crois, hein. Du coup tu n'as plus de boule. Mais comment ils font pour tomber comme ça là? Comment vous faites pour tomber comme ça, bande de trous du cul là? F5, animation d'hiver. D'hiver, dormir, se réveiller. Tout en bas. Dans d'hiver. Dans d'hiver, moi j'ai écouté. Non, mais pas dans animation, pas dans animation. Dans le normal, dans la tablette, direct dans le menu de la tablette. Ah oui. Voilà, hop, j'ai cassé le genou. Et personne ne peut venir pour vous, hein, donc vous allez tous se monter dans mon camion. Hein. Derrière le fourgon, hein. entre le pneu et l'échappement. Ah. Non, bah, genou. Du coup, je vais mieux, moi, c'est bon, ça va, ça mieux, ça va mieux. J'étais sûr. Et ben normalement, ah ben non. Oh. Moi, je suis blessé. Comment? Monsieur, pouvez-vous couper la pub pour mettre de la musique, s'il vous plaît? Dès que vous relevez, ça serait cool. Merci. Hein. C'est vrai que votre radio, c'est de la merde. Hein. Il ne l'est pas. Bougez. J'ai tellement mal que je peux pas bouger. Putain, je crois que je me suis pété quelque chose. Un doigt de pied ou quelque chose. Bon, moi, je vais faire une petite sieste. Je te laisse arriver. Bon, bah, moi, messieurs, je vous laisse. J'ai encore de la route et je vois qu'il commence à faire la nuit. Je vous dis à bientôt. Ouais, la nuit tombe vite. Et bah, à bientôt, hein. Faut m'emmener à l'hôpital. Hein. Moi, je monte. C'était un plaisir, hein. Moi aussi. Cas. Merci de l'invite. Hop, voilà. Alors, je monte là, je bouge plus. Voilà, Gustavo, qu'est-ce que tu fais? Je te laisse ici ou quoi? Ah, non, je veux bien. Gustavo, viens monter. Alors, attendez, je regarde le GPS. Monte avec l'agent. Parce que j'ai très mal au genou, là. Attendez, je vais me rhabiller quand même. Moi, je peux pas me rhabiller, j'ai trop mal. Vous allez où là? Faut suivre la petite route là. J'imagine, oui. Il voulait quoi le juge là? Voilà, le juge, il voulait acheter une voiture. Ne faites pas sauter de la falaise. Bon, attendez, je vais étudier par où je vais passer. On peut pas passer par là directement? Bah, par la route. Il faut suivre la route. Attendez, on va passer par là.
Regardez, j'ai un raccourci, colonel. Et puis lui, il vous suit avec sa 205, quoi, là. Il est fou, lui. Ah oui, que... ça, c'est du raccourci. Je pense que ça peut passer, hein. C'est un 4x4. Il est fait pour ça. Oula, oh, le... oh là, lui, il a eu un petit souci. Oh, hein. Oh, il... ah, j'ai peur pour lui. Je crois qu'il est pas bien. Vite, vite, il faut aller l'aider. On va aller l'aider. Je me dépêche. Oula, oula. Oh là. Ouais, j'ai mal aux genoux, je vais pas pouvoir l'aider beaucoup. Hein. Attendez, on arrive. Hein. Aïe. 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 Véhicule de monsieur l'utiliser aussi. Ça marche, merci, parce que là. Hop, je vous fais sortir. Voilà. Allez, on y va. Il fallait quoi? Merci beaucoup. Il y a un problème. Bah effectivement, oui. Ah, c'est bon. Oh, il va falloir nous emmener tous les deux à l'hôpital. Oula. Ouch. Ah. Je crois qu'on a un petit souci. On est bloqué ici. Je crois que le moteur a rendu l'âme. Oh bah on va aller près de la route, on va appeler un taxi. Ouch. Aïe. Ah, faudra bien confirmer qu'il nous faut pas qu'un taxi, on est plusieurs. Hein. Attendez. Est-ce qu'il n'y a pas un truc blessé là? Dans démarche peut-être. J'espère qu'il y a un taxi dispo. Un colonel, il n'y a pas de taxi disponible. Ah, je vais faire une réquisition, bougez pas. Hop. Allez-y, montez. Et puis c'est pas n'importe quelle voiture que vous avez choisi. Hein. C'est une deux places. Ah merde, merde. C'est une deux places. Attendez, je vais chercher une quatre places, restez ici. Ah, juste là, voilà. Ça, c'est quatre places, c'est ça? Mais c'est fou de ma gueule, elle est. Attends, Attendez, monsieur le colonel, regardez, il y a une voiture derrière immobilisée. Est-ce que vous la voyez? Attendez, je vais prendre ça. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Monsieur le Chesier, par contre, moi je peux pas conduire et monsieur Calabresse non plus. Ah, d'accord, très bien.
On attendait, je vous emmène à l'hôpital. Hein. Je vais pas m'accrocher ma ceinture. Hein. Ouais, moi aussi. Ça s'est mal fini cette bordel. Ah oui, colonel, je vous avoue que vos soirées au bord du lac. Une fois, pas deux. Hein. J'ai perdu ma 205 du coup. J'ai perdu mon 4x4. Aïe 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 aïe, ça va coûter cher tout ça. Ça fait beaucoup de pertes pour une soirée quand même. Et ça doit changer de votre 4x4, non? Ah, exactement, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me traîne le cul là-dedans. Bah, sur votre 4x4, normalement vous êtes en deux. Ah, bah là, oui, c'est la deuxième. Surtout qu'il y a deux chemins en plus, hein. Vous êtes à fond là? Ah, je suis à fond, hein, pied au plancher. D'accord. Ça avance pas une cahuète ce truc là. On aurait dû réquisitionner un véhicule de gendarmerie. Mais je peux demander l'hélicoptère, mais il y a que deux places. Ah oui, l'hélicoptère, oui, oui. Je me rappelle, c'était ici d'ailleurs là. Oui. Vous êtes en vie, 17? Oui. Parce que nous, on a failli mourir. Nous allons direction l'hôpital. Qu'est-ce que j'ai mal, bordel de merde. Vous avez mal et en plus, on se traîne les fesses. Voilà. Oh, monsieur. Il a sauté, non? Ah oui, oui. Je crois ouais. Ah, je crois que le colonel, il doit avoir encore un petit peu plus mal. Il avait déjà mal, mais bon, là c'est fini quoi. Voilà, colonel, faut pas sauter en véhicule en marche, hein. Bah, je sais. C'est la ceinture, elle a lâché. Voilà, c'est moi. À cause de vous, on était lancé, maintenant il faut relancer. À cause de moi quoi? À cause de vous, on va devoir relancer le véhicule, hein. Voilà, vous avez des problèmes de corde vocale. Appuyez sur le champignon, bordel! Ah, croyez-moi, c'est ce que je fais, hein! Y'a pas une cale sous l'accélérateur? Pas possible! Voilà, monsieur. Mais le colonel, il a des problèmes de ceinture, le colonel. Attachez bien votre ceinture, colonel. Bah, c'est ce que je fais, pourtant. Allô, Jason. Ça va bien ou quoi? Ça va, hein? Eh bah écoute, là je suis en véhicule, là je reviens d'une soirée là. Vous êtes sûr que vous allez à l'hôpital, ah monsieur ouais, colonel une... Je reviens d'une soirée là qui s'est mal passée, du coup là je vais à l'hôpital, gros, je suis blessé, tu vois bien. Vous êtes sûr que vous voulez aller à l'hôpital?
Que vous essayez pas de fuir pour aller pas avoir la piqûre. Et portez-vous aïe. Bien. Hein. Aïe. Ouais, ouais. Là, le véhicule. Mais si ça paye des freins à main le truc. Qui a volé un Fiat Multipla, il a osé. Et donc voilà, si messieurs, c'est ainsi qu'il va s'arrêter donc ce live du coup, puisque je vais aller faire une petite pause. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui sont venues donc visionner ces vidéos, qui sont venues participer au live en m'envoyant des messages, etc. Donc du coup sur YouTube et Twitch. Je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, je précise, puisque en fait je diffuse sur Twitch, je diffuse sur YouTube. Je n'ai pas le retour du chat de YouTube actuellement, mais ça va se faire parce que je vais installer donc une application qui va me le permettre. Donc du coup, j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, ce que je voulais le faire aujourd'hui, mais j'ai pas le temps. Je le ferai demain. Donc ce soir, pareil, je serai en live ce soir sur Corsair P. Donc nous avons un événement, donc des combats de boxe organisés donc par Cardi. Cardi Bay, donc qui travaille à la concession. Donc ce soir 22h, il y aura donc l'événement, donc ça va être cool. Donc je serai en live ce soir, les amis. Donc à partir de 21h, je pense. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous dis à plus et je vous dis ciao.